a tombé sa veste et mouillé sa chemise. Emmanuel Macron s'est donc livré à un grand oral pour lancer son grand débat national. Plus de 6h30 de questions-réponses avec des élus souvent inquiets, à l'image de Dominique Chauvel, maire de Saint-Valery-en-Caux, c'est en Seine-Maritime, qui a interpellé le chef de l'État hier soir. Monsieur Macron, je vous souhaite que nous réussissions, parce que sinon notre pays il est au bord du gouffre. J'ai crainte que des fascismes, des heures noires nous attendent, parce que ceux qui tirent profit quand on est au bord de la falaise, ceux qui en tirent profit, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas nous. Ce sont les extrémistes de tous bords, ceux qui ne voient que leur propre intérêt et qui ne veulent surtout pas construire le vivre ensemble. Je nous souhaite à nous, à nous tous, j'ai voté pour vous au deuxième tour. Je nous souhaite à nous tous, parce que c'est une impérieuse nécessité, de réussir.